On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel vidéo autour du patron de la veste Roussafa. C'est une veste en jean d'inspiration vintage avec plein de détails super chouettes. Dans ce tutoriel, je vais coudre la version enfant du patron en taille 2 ans. La gamme de montage est pratiquement identique pour la version adulte. Si elle diffère, je vous le dirai. Une fois votre patron imprimé et assemblé, découpez vos pièces dans le tissu principal et la doublure pour les fonds de poche. Et copiez bien les repères. Pour la mercerie, vous aurez besoin de boutons spécial jean, boutons normaux à coudre ou boutons pression, de rivets en option et d'une boucle de serrage pour la version adulte. Il y a beaucoup de surpiqûres sur cette veste, il va donc falloir choisir un fil adapté. Cela peut être un fil spécial denim, du fil extra fort ou du fil ordinaire. Pour ce dernier, vous pouvez choisir une piqûre triple pour obtenir une surpiqûre plus visible. Commençons par la petite poche poitrine. Pliez le bord supérieur 1,5 cm vers l'intérieur, puis repassez. Puis pliez à nouveau au niveau des crans et repassez à nouveau. Passons à la machine. Pensez à allonger la longueur de votre poing sur la machine pour obtenir de jolies surpiqûres. En règle générale, il faut choisir une longueur entre 3 et 4 mm. Faites une piqûre nervure le long du bord plié ou une piqûre double pour la version adulte. Pour ma deuxième gamme de surpiqûre, je me sers de la largeur de mon pied comme guide. Ici, les deux lignes sont espacées d'environ 5 mm. Repassez les marges de la poche vers l'intérieur. Pour info, toutes les marges sont de 1,5 cm, sinon c'est indiqué dans les instructions. N'hésitez pas à marquer les lignes de couture sur vos pièces pour plus de précision. L'option est incluse dans les calques du PDF. Prenez la pièce côté devant et posez-la sur le fond de poche découpé dans la doublure. Les deux pièces, l'envers vers vous. Vérifiez que les repères correspondent, puis épinglez. Piquez 1,5 cm du bord, puis surjetez les marges de couture et repassez-les vers le fond de poche. Si ce n'est pas fait, reportez les repères de la poche poitrine sur le devant droit. Épinglez la poche et faites une piqûre double autour. Prenez bien votre temps pour essayer de rester à 1 mm du bord de la poche pour la première couture. Pivotez quand vous arrivez en haut. Et continuez. Pour la seconde ligne, placez le bord du pied contre le bord de la poche. Ou déplacez l'aiguille selon la largeur voulue. Et voilà. Placez la pièce devant sur le fond de poche, les envers vers vous et faites correspondre les repères. Épinglez et piquez 1,5 cm du bord. Surjetez les marges et repassez-les vers la poche. «
pliez le devant au niveau des crans le long de l'ouverture de la poche, envers contre envers. Repassez. Puis venez faire une double surpique le long de l'ouverture. La première surpiqûre à 1 mm du bord. Et la seconde espacée d'environ 5 ou 6 mm de la première. Repliez la poche en deux, envers contre envers. Et repassez. L'endroit de la doublure sera visible quand vous ouvrirez la veste. Épinglez. Et piquez le bas de l'ouverture de la poche à travers toutes les épaisseurs jusqu'au repère en repassant sur les coutures faites juste avant. Bâtissez le bord supérieur et les côtés des poches. Si vous ne souhaitez pas poser de rivet, c'est le moment de faire une piqûre de renfort sur les points suivants. Le haut et le bas de la poche et le coin de la petite poche poitrine. Coupez les marges de la poche au-dessus du point de bâti. Nous allons maintenant réaliser les plis du devant. Il y a 3 repères par pli. Faites correspondre les repères extérieurs, celui du milieu se retrouve donc sur le pli. Sur l'envers du tissu, couchez le pli vers le côté pour recouvrir le bord du fond de poche. Repassez et faites de même pour le second pli. Sur l'endroit du tissu, les plis sont couchés vers le milieu devant. Bâtissez les plis en haut et en bas pour qu'ils restent bien en place. Venez marquer l'emplacement des rectangles sur le devant. Vous pouvez aussi choisir de coudre des croix, des cercles avec les points de broderie de votre machine ou poser des rivets. Ici, j'utilise un stylo friction pour bien marquer les rectangles. Piquez à travers toutes les épaisseurs en repassant 2 fois sur le rectangle. Et voilà le résultat depuis l'endroit et sur l'envers. La poche est prise dans la couture et reste plaquée contre le devant. Endroit contre endroit, épinglez l'empiècement devant à la pièce devant en faisant correspondre les repères. Piquez à 1,5 cm du bord et surjetez les marges. Puis repassez-les vers l'empiècement. Faites une double surpiqûre sur le devant. Repliez le bord milieu devant 1,5 cm vers l'intérieur et repassez. Puis repliez endroit contre endroit au niveau du cran. Épinglez le haut et le bas de la patte de boutonnage.
entourez la marge de couture et marquez le point de repère. Vous pouvez dessiner l'angle pour plus de précision. Piquez depuis le bord du milieu devant jusqu'au repère, pivotez et continuez vers l'encolure. Dégarnissez les marges et crantez dans l'angle. Réduisez un petit peu le haut de la marge. Retournez sur l'endroit et faites ressortir l'angle. Repassez la bande de boutonnage, en la pliant au niveau des crans. Faites une piqûre nervure à environ 1 mm du bord. Puis, on vient faire une seconde surpiqûre à 2,5 cm du bord pour la version enfant, comme ici, ou 3,5 cm pour la version adulte. Faites attention à bien prendre la marge de la patte de boutonnage dans la couture. Puis, faites une couture de soutien le long de l'encolure, juste à l'intérieur des marges, c'est-à-dire environ 1,2-1,3 cm du bord. On a donc fini le devant droit. Il va falloir répéter ces étapes pour le côté gauche, sans la poche poitrine. Attaquons le dos maintenant. Venez former les plis du dos comme pour le devant. Faites correspondre les revers extérieurs et couchez le pli vers le milieu dos, avec l'endroit du tissu vers vous. Repassez les plis. Et vous allez ensuite bâtir les extrémités. Si vous faites la version adulte, il va falloir faire la martingale. Vous trouverez toutes les étapes dans les instructions. Faites une surpiqûre en bas du pli pour les maintenir en place. Endroit contre endroit, épinglez l'empiècement dos à la pièce dos en faisant correspondre les repères. Piquez 1,5 cm du bord. Et on va maintenant faire notre première couture rabattue. On va venir dégarnir la marge de l'empiècement dos à environ la moitié. Donc on va laisser entre 5 et 6 mm. Repassez les marges vers l'empiècement dos, puis repassez la marge du dos sur celle de l'empiècement pour la recouvrir. Repassez. On obtient donc des marges d'environ 7-8 mm de large. Pour tout maintenir en place, vous pouvez épingler ou bâtir la marge. Depuis l'endroit, faites une double surpiqûre à travers toutes les épaisseurs. Premièrement à 1 mm de la couture, puis à 5 mm ou 6 mm de la première surpiqûre.
Depuis l'endroit, on voit donc deux surpiqûres sur l'empiècement d'eau. Et sur l'envers, faites bien attention à coudre à travers toutes les épaisseurs. Avec les coutures abattues, on obtient donc une couture solide et sans bornes visibles. Endroit contre endroit, on va placer les devants sur la pièce d'eau et épingler les épaules. On pique à 1,5 cm du bord et on va faire des coutures abattues. Donc on réduit la marge de l'empiècement d'eau de moitié et on repasse vers le dos. On recouvre la marge coupée par celle de l'empiècement devant et on repasse. Ici aussi, si vous voulez bâtir les marges ou les épingler pour qu'elles ne bougent pas, c'est parfait. Comme pour le dos, on fait deux surpiqûres à environ 1 mm et 6 mm du bord. Passons maintenant aux manches. Prenez la manche d'eau et repliez l'encoche 5 mm vers l'envers. Repassez. Puis repliez à nouveau. Le pli est donc dans la continuité du bord de la manche. Faites une piqûre nervure le long du bord replié. Voilà le résultat. Prenez la manche devant et crantez la marge au niveau du repère sur 1,5 cm. Pliez en deux, donc environ 7 mm vers l'intérieur. Repliez, puis repassez. Faites une double surpiqûre 1 mm et 5 mm, 6 mm du bord. Endroit contre endroit, épinglez le bord des manches et piquez 1,5 cm du bord depuis l'ouverture de la fente jusqu'en haut de la manche. Réduisez la marge de la manche devant, puis repassez les marges vers la manche devant et recouvrir pour faire une couture rabattue. Faites la double surpiqûre. Et faites attention, quand vous arrivez à la fente, il va falloir faire correspondre la couture avec celle que vous avez faite auparavant, sur quelques millimètres. Prenez votre temps pour que les deux coutures correspondent. Et voilà ce que ça donne. On a une fente solide avec de jolies finitions. Endroit contre endroit, venez épingler la manche à l'emmanchure. Pour la version enfant, le cran de la tête de manche correspond à la couture des épaules
et la couture sur l'arrière de la manche correspond à la couture de l'empiècement d'eau. Pour la version adulte, vous avez des crans différents. Il y en a sur le devant de la manche et sur l'arrière. Par contre, la couture de la manche ne correspond pas avec celle de l'empiècement d'eau. Pour la version adulte, la manche est plus plate, donc l'embu est très facile à résorber. Pour la version enfant, par contre, l'emmanchure n'est pas tombante, donc il y a plus d'embu. Comme ici, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles ou à passer un fil de France au préalable. Venez piquer 1,5 cm du bord. Réduisez la marge de l'emmanchure de moitié. Puis repassez les marges vers le corps de la veste. Ici, on va faire des coutures abattues, mais si vous préférez surjeter les marges pour ensuite faire une surpiqûre, pas de problème. Donc, repliez les marges de la manche sur celle de l'emmanchure et repassez. Vous pouvez bâtir ou mettre des épingles. Faites la double surpiqûre en vérifiant que vous cousez bien à travers toutes les épaisseurs. Au niveau des coutures, des empiècements et des épaules, il y a beaucoup d'épaisseur, donc prenez votre temps. Pour la deuxième surpiqûre, je vérifie souvent avec mes doigts que je pique bien sur les marges et si besoin, je retourne pour replacer les marges à leur place. Les épingles me servent aussi de guide pour ma couture. On vérifie bien ensuite sur l'envers que nos marges sont bien prises dans la couture. Et on répète pour la deuxième manche. Venez ensuite replier la veste en deux et épingler le dessous de manche et les côtés devant et dos. Piquez 1,5 cm du bord, puis venez surjeter les marges et les repasser vers le dos. On retourne la manche sur l'endroit et on passe à l'étape suivante, les poignets.
Repliez le bord inférieur du poignet 1,5 cm vers l'envers. C'est le bord qui n'a pas de cran de repère. Puis repassez. Pliez en deux au niveau des crans et piquez les extrémités à 1,5 cm du bord. Dégarnissez les angles. Retournez sur l'endroit et repassez. Attention à bien ressortir les angles du poignet. Épinglez le poignet au bord inférieur de la manche en faisant correspondre les repères et les extrémités. Piquez 1,5 cm du bord. Puis repassez les marges vers le poignet et venez les recouvrir. On vient ensuite faire une piqûre nervure tout autour du poignet. On va faire pailler pour la ceinture. On repasse le bord inférieur vers l'intérieur et on vient ensuite plier en deux au niveau des crans. Piquez les extrémités et crantez les angles. Retournez la ceinture sur l'endroit et repassez, puis endroit contre endroit. On épingle la ceinture au bas de la veste en faisant correspondre les repères. On pique à 1,5 cm du bord et on repasse les marges vers l'intérieur de la ceinture. Puis on fait une piqûre nervure tout autour de la ceinture. Et voilà le résultat. Dans la version enfant, il y a une accroche dans le dos. Vous pouvez aussi ajouter cette option sur la version adulte si vous le souhaitez. Dans vos chutes de tissu, coupez un rectangle de 3 cm sur 15. Repliez les bords en deux, vers le milieu, puis repassez et repliez une nouvelle fois. Surpiquez et placez l'accroche au milieu de l'encolure dos. Épinglez et bâtissez. Repliez le bord inférieur d'une des deux pièces du col 1,5 cm vers l'intérieur et repassez. Endroit contre endroit, épinglez les cols ensemble
et piquez 1,5 cm du bord en laissant le bord inférieur ouvert. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit en ressortant bien les pointes. Repasser. Endroit contre endroit, épinglez le col à l'encolure en faisant correspondre les repères et les extrémités. Pour vous aider, vous pouvez cranter les marges de l'encolure devant jusqu'à la couture de soutien. Puis, piquez 1,5 cm du bord. Coupez les extrémités de la croche si elle est trop longue et faites des petits crans dans les marges. Repassez les marges vers l'intérieur en les recouvrant avec le col. Épinglez ou bâtissez à travers toutes les épaisseurs en faisant bien attention à prendre les marges intérieures du col. Faites une piqûre nervure le long de l'encolure depuis l'endroit de la veste. Puis depuis l'envers de la veste, faites une piqûre nervure le long du bord extérieur du col. C'est cette face-là qui sera visible une fois la veste portée. On veut donc une surpiqûre précise. Il nous reste la dernière étape de notre veste Roussafa, les boutons et les rivets. Reprenez votre patron pour marquer l'emplacement des boutons et des boutonnières. On fait les boutonnières sur le devant droit et les boutons sur le gauche. Pour les manches, la boutonnière se fait sur le devant du poignet et le bouton sur le dos. Les rivets se mettent en haut et en bas des poches, sur le coin de la poche poitrine et sur le pli du dos. Pour cette veste, comme c'est pour une toute petite fille en taille 2 ans, j'ai décidé de mettre des boutons pression. Et voilà, la nouvelle propriétaire de la veste est ravie et mignonne comme tout. Bonne couture !